Herbert Léonard. Herbert Léonard traversera les années 80 en grande pompe. D'abord, il y débute pour le plaisir, amoureux fou de Julie, pas encore piétri, puis c'est la gloire et la puissance. La puissance, hein, pas l'impuissance, pas encore. Et dès 1987, grâce, une fois n'est pas coutume, à la célèbre parolière, notamment de Claude François, Belle, 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 c'est elle, oui, Evelyn Buggy, eh bien Herbert Léonard, qui malheureusement venait de traverser le désert à cause d'un accident de la route, c'est un retour en fanfare pour lui, au sein du top 50 avec Quand tu m'aimes. Vous connaissez la suite, Evelyn Buggy, elle souhaitait quelque chose de plus sexuel pour le chanteur et elle l'aura, le triangle d'or, etc., etc. Viendront ensuite Laissez-nous rêver sur des musiques érotiques, tu ne pourras plus m'oublier, plus jamais m'oublier, que nous sommes déjà dans les années 90 et au début des années 90 avec cette chanson qu'on va évoquer dans un instant, un succès de plus à son palmarès, Entre tes mains, un titre extrait de son 10e album studio, Je suis un grand sentimental qui s'arrêtera certes sur la 47e place du top. On est très loin des succès de Quand tu m'aimes et compagnie, mais qui conserve quand même l'univers sensuel et sexuel, donc de l'un des chanteurs de charme les plus populaires de la fin du siècle dernier. Je t'aime.